Alors bonjour à tous, c'est reparti pour une série de daily vlogs puisque depuis hier Lana est en vacances scolaires. Donc j'ai décidé de faire comme à Noël et de refaire des daily vlogs pendant les vacances scolaires. Et en fait depuis qu'elle sait qu'elle va être en vacances scolaires, Lana demande à aller à... Elle demande à aller au club de trampoline hein, que vous avez déjà vu quelques fois sur la chaîne. Donc c'est la première chose qu'on va faire des vacances. On allait là-bas plein de fois. Non, pas plein de fois, 4 fois, parce que quand j'étais oui, petite... oui, voilà, un truc comme ça à peu près. Et bref, donc du coup on va le faire comme ça c'est fait, parce que sinon je vais en entendre parler pendant une semaine. Et donc voilà, c'est parti, on est samedi 16 ou 17 février, 17, 18, je sais plus, je sais pas. Nico vient de se lever, du coup il va venir avec nous, et il faut savoir qu'en fait Nico, la semaine prochaine on va pas le voir, parce qu'il va bosser toute la semaine à San Francisco. Donc en fait, ouais, c'est la semaine de vacances de Lana, mais... En fait, à la base, on devait aller au ski, mais il n'y a pas de neige et Nico n'est pas dispo parce qu'il y a un événement à San Francisco, il y va toute la semaine. Donc voilà, donc c'est des vacances entre mère et fille surtout, sauf aujourd'hui où du coup Nico vient avec nous à Rocking Jump. Et voilà, hein, donc j'espère que vous êtes contents qu'on reprenne les daily vlogs, si c'est le cas. Voilà, et bah, nous on est contents hein, parce que moi ça fait un peu 2 mois que... Je fais un petit peu rien, hein. Donc du coup c'est bien, ça me booste et puis je suis contente de reprendre. Donc voilà, on commence la journée comme ça. Après on va manger le déjeuner et je pense qu'après Lana ira à la sieste. Et on a reçu un énorme colis là cette semaine. Ah si, il faut faire la sieste Nini. Oh bah, on va pas faire de sieste. Lana, on a reçu un énorme colis hier ou avant-hier à la boîte postale et j'aimerais bien l'ouvrir aussi. Maintenant. Après quand on revient, cet après-midi après la sieste. Et je vous avais pas montré encore sur YouTube, mais voilà, j'ai changé l'organisation du salon. Bon, du coup, c'est pas rangé, hein, désolé. Mais voilà, on a mis le salon comme ça. Donc là, c'est la partie salle à manger. Donc du coup, maintenant, le salon est comme ça depuis quelques semaines et on adore. Et voilà, et Lana, elle joue en attendant que son papa soit prêt. Et puis, on va se mettre tranquillement en route. Et il fait un temps de malade mental. Il fait super beau. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas plu. La semaine dernière, il faisait plus de 25 degrés et là, il fait un peu plus frais, mais il fait super beau, quoi. On a vraiment un temps de dingue. Je vous montrerai le potager si je n'oublie pas tout à l'heure. Et voilà. Ça va, les filles? Oh. Je crois qu'il y a une demande de câlin par ici. Ouais, vous voyez, là, Bédié se remet sur le dos. Bédié se remet sur le dos. On a complètement retrouvé notre petite body. Hein, mon bébé? Oh, mon chien d'amour, ça. Bon, bah on prend les mêmes et on recommence, hein. C'est là, c'est là. C'est là, Lana, Lana, c'est là. C'est là, ma puce. Allez, go. Ils ont changé. Le mur avant d'escalade, il était pas là. Ah oui, ah bah oui, les casiers sont où? Ah ils sont là-bas, viens. Ils ont tout changé. Ah, ben ça a pas changé. Bon, il y a personne, hein. Absolument personne. Vas-y. Oh, oh, un nouveau truc. Oh, oh, trop chouette. C'est nouveau. C'est là où il y avait le mur d'escalade avant. Oui. Ah, t'as vu, c'est pour se battre au milieu, ça. C'est la poutre. Ah oui. Summer of the kind of movie love, aiming for some more of anything that comes along. Oh, forever high above the kind of feeling of letting go and go free fall and living on top of the world. Blue skies and night swims never keeping track of time. Sunlit skin rubbing and the light can breathe this you so wide.
and letting go and go free for a living on top of the world. Blue skies and nights when it's never keeping track of time. Sun and skin driving and the light can't breathe this year, so I'm jumping. On est rentré à la maison, donc je vous fais le petit update potager avant que j'oublie. Donc ça c'est les fèves qui poussent méga super bien, donc elles sont déjà en fleurs. Il va falloir que je rajoute un petit coup de... Voilà, que je les rattache un peu au tuteur, donc voilà, elles sont en fleurs. Là vous voyez, il y a les bébés fèves qui arrivent, donc voilà. Donc ça c'est chouette. Au niveau du potager, alors je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'avais une invasion de... Alors je sais pas si on dit ciguë, je sais pas. En fait, je croyais que c'était des carottes et en fait non, c'était du poison. Voilà, donc c'est peut-être ça notamment qui est responsable de ce qu'a eu Buddy le mois dernier. Et donc ça, c'est mon artichaut qui pousse méga bien de ouf. Hein. Regardez, il va jusqu'à là-bas. Enfin, c'est un truc de dingue comme ça pousse bien. On n'a toujours pas d'artichaut en vue, mais il pousse super bien. Tout autour, il y a la salade qui pousse super bien aussi. Je vais d'ailleurs en cueillir une là pour qu'on mange à midi. Donc du coup, là, bah, c'était envahi. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas pu pousser. Mais la mâche, voilà, tout ça là c'est la mâche. Ça c'est une salade, ça c'est une salade, il y a un peu des salades pas très jolies d'ailleurs par-ci par-là. Et en fait du coup ce que j'ai fait, alors ça j'ai trouvé chez Dollar Tree les tomates cerises et les radis. Alors les tomates cerises ont toujours pas commencé, sont toujours pas sorties. Par contre les radis comme vous pouvez le voir, ils sont déjà sortis alors que je les ai plantés la semaine dernière. Ça marche de dingue alors que c'est Dollar Tree quoi, je m'attendais pas. Et donc cette rangée là j'ai aussi replanté des radis parce qu'au final on a eu très peu de radis. Comme, comme l'espèce de fausse carotte prenait toute la lumière et tout. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça pousse bien, c'est top. Et en fait moi j'aime bien parce que c'est la période de l'année où voilà, bon là j'ai un semblant de pelouse, mais en fait tout mon jardin est en fleurs. Donc voilà, là ça c'est en fleurs, ça c'est moi. Ça c'est en fleurs, c'est trop joli. J'adore ces fleurs jaunes, blanches comme ça. Là aussi, mon voisin fait je sais pas quoi. Et là ce sont mes jonquilles. Je vais d'ailleurs peut-être en cueillir quelques-unes pour mettre dans un vase. Et voilà, donc ça c'était des tulipes que j'avais plantées il y a 2 ans. Mais en fait chaque année elles sortent comme ça mais elles font pas de fleurs. Enfin voilà, et là il y a encore des fleurs. Enfin voilà. J'aime bien le mois de février en Californie parce que c'est là que ça commence à tout fleurir de partout. On a le printemps qui est un petit peu en avance. Et voilà, voilà, c'était mon petit update jardin. Alors, je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 15h. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré du trampoline. Lana elle s'est écroulée dans la chambre d'amis, elle s'est endormie direct avant même d'avoir mangé. Donc du coup, elle a dormi, elle vient de manger là, maintenant, il y a une demi-heure. En décalé, mais elle était super fatiguée. Nico, il dort parce que Nico, il a énormément bossé cette semaine. Il a beaucoup bossé la nuit, notamment le soir. Après bah, que Lana et moi allions au lit, lui, il continue à bosser des fois jusqu'à 3h du matin. Voilà, Nico bosse énormément, hein, c'est pas un secret, c'est pas nouveau. Mais donc du coup, il est mort. En plus, avec le trampoline ce matin, il est encore plus mort. Donc là, depuis je sais pas combien, depuis 2h, je crois qu'il dort. Donc on le laisse dormir et on va en profiter en fait pour aller à Sport Basement. Je vous avais déjà emmené, c'est notre magasin de sport du coin. Et en fait, je vais aller lui acheter un sac de squash parce qu'en fait, il fait du squash, mais il a pas de sac pour mettre son matériel, donc il utilise actuellement 5 en papier de Decathlon. Enfin bref, un truc tout pourri. Donc voilà, je vais acheter un vrai sac de sport parce que je lui ai rien acheté pour la Saint-Valentin parce que je n'avais pas d'idée. Mais en le voyant revenir du squash cette semaine, je me suis dit oula, il y a un truc là. Donc je vais vite aller lui acheter avant qu'il s'en achète un parce que Nico c'est du genre à s'en acheter, du coup toi t'as plus d'idées, donc je vais vite aller lui en prendre un avec Lana. Ah oui, Lana joue avec son jeu et donc il fait une chaleur de ouf là. Il devait pas faire si chaud que ça mais en fait il fait super méga chaud, puis je suis en train de crème au soleil. Enfin bref, on vous embarque avec nous à aller lui acheter ce petit sac, petit grand,
hein. Et voilà, et après je pense qu'on ira faire un petit tour au parc parce que la nave elle est au parc et du coup il est super tôt, enfin elle se lève jamais de la sieste à 15h, donc on va en profiter qu'il fasse encore jour, bien jour même, pour aller faire un petit tour au parc après ça, voilà. Bon ben voilà, on est arrivé, il fait 24 degrés, j'ai la réponse à pourquoi il fait chaud, il fait 24 degrés, tout va bien, un 17 février, et c'est comme ça depuis le début du mois. Lana elle a mis ses bottes d'hiver. Allez, on va aller choisir un beau sac à papa. Ouais. Un sac. Un sac pour mettre sa raquette pour aller au squash. Eh oui. Il a pas de joli sac, papa, le pauvre. Quoi, Lana? Dans la chanson, ici, il y a un truc comme ça. Mais... C'est quoi la chanson? Believer. Oui, je fais de la boxe. Alors là, il y a des sacs, mais ils sont un peu petits. La raquette, elle passera pas. Oui. Oui, oui, mais non. Là, il y en a d'autres. Faut que je regarde. Ah non, c'est fait pour quoi ça? Non, c'est pas ça. Pour faire de la muscu, comme tonton G. Ah ouais, c'est bien. Tu vas faire du crossfit avec tonton G en France? Allez, viens, on regarde les sacs, ma chérie. Je sais pas si ça, c'est pour faire le tennis. Ouais, c'est même pas lourd. Ah bah non, celui-là, il est petit. Alors là, il y en a plein, mais alors ça coûte cher. Bon, c'est pas que c'était 90 balles le sac. Je vais regarder les prix, comparer, mais c'est ça qu'il faut, hein. C'est exactement ça avec la forme de la raquette, quoi. Oh non, c'est Wilson comme dans le film, ça c'est dans un film, Lana, ça s'appelle Seul au monde. Ah mais non, c'est énorme, trop bien fait, c'est un ballon de volée. T'en as un, toi, de ballon de volée à la maison? Non. Ah si. Il est cassé. Ouais, qui c'est qui l'a cassé? Oui. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là qui était moins cher, qui est à 40. Du coup, on regarde pas mes vlogs, donc il saura pas le prix. Ah, il te va celui-là, Lana? Oui, Lana a un chewing-gum dans la bouche. C'est très exceptionnel qu'elle ait droit à avoir un chewing-gum. Et toi aussi, t'as un? Oui, j'ai le même que toi. Et sa dent devant, elle n'est pas tordue, elle est juste sur le point de tomber. Donc soit elle va tomber aujourd'hui, soit demain. Mais c'est imminent. Encore le chewing-gum dans la bouche? Oui, regarde. Alors la queue, elle part de là, elle fait tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et les caisses, elles sont là-bas. J'ai jamais vu une queue longue comme ça dans un magasin ici. Jamais. Ça va vite, mais c'est incroyable. Et Lana, qu'est-ce qu'elle a fait avec son doudou, Lana? Porte-bébé. Porte-bébé. Porte-bébé intégré. Voilà, on est allé au parc à côté, qu'on connaît pas trop. Lana, elle est venue une fois, mais c'était il y a très longtemps. Et en fait, ici, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tellement de parcs, on peut changer tout le temps. Tu sais comment je le reconnais? Parce que je rêve en plus de ça. Tu rêves de ce parc? Regardez-moi cet arbre en fleurs, là, comme il est beau. Ah, voilà, il est sympa, celui-là. Allez, va t'amuser, ma Nini. Il y a plein de choses. Tourniquets, ça c'est rare les tourniquets. Vous avez vu, c'est des tourniquets un peu chelous. Hop. Il est 17h15, on a passé vite fait chez Target faire trois courses qui manquaient. Lana, qu'est-ce qu'elle a voulu prendre, Lana? Un lapin. Un petit lapin d'or de Lindt. Après, je pense qu'on n'avait plus. Du coup, on fait un petit... Ah bah attends, il est déjà cassé. Un petit goûter. Tiens, on va partager ça. Tu casses. Avec un petit, une tranche de pain. Ça fait, un... ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, mon Dieu. Tu veux pas avec du... un bout de pain? Oui, hein? C'est peut-être mieux. C'est un petit cadeau de Saint-Valentin en retard. Ma raquette de squash. Oui. Ok.
que j'ai un super sac. Oui, bah ce serait mieux que le sac Décathlon tout pourri. Hein. Ouais. Bah, bon, là, ouais, c'est des trucs. Non, c'est pas Décathlon. Non, non, c'est pas Décathlon. Comment? Ebola, c'est pas une marque de Décathlon. Non. Ranger. Oui, parce que là, là, là. Je peux enlever les fringues et la raquette là. Ouais. Oui. T'as un côté qui est plus fin pour mettre la raquette. Je crois que c'est l'autre. T'as un côté, voilà, ça c'est tout fin pour mettre la raquette. La raquette. La raquette et l'autre elle est plus épaisse pour mettre le reste de tes affaires. Là, tu peux plus te voir le sac. Non, mais là, tu faisais pitié avec ton sac Décathlon. Hein. Là. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, Nico a ouvert son cadeau et maintenant, bah, nous aussi, on va ouvrir nos cadeaux. Donc voilà, j'ai reçu ces trois colis à la boîte postale cette semaine, dont celui-là qui est absolument énorme de la part de Caroline, donc merci. Ça, je pense que c'est Alexandra, je reconnais l'écriture. Donc voilà, on va ouvrir et ça, bah, on va ouvrir aussi. Ça, c'est pas Alexandra, ça c'est de la part de Christelle. Merci Christelle, merci, merci les filles. Donc on va ouvrir ça. Anna, tu viens ouvrir avec moi? Oui. Allez, ouvre. C'est des habits. C'est des habits? Ah, c'est vrai? Oh, oh là là. Merci, Alexandra. Oh, tu l'as c'est... pas celui-là. Oh, c'est un ballon cœur avec écrit love. Oh non, il est magnifique. Oh non, là, non. Non, il y a écrit love, chérie. Maman, en fait, moi, je fais un cœur et après, j'ai rajouté des trucs. Ouais. Comme ça. Ouais, on dirait les ballons que tu dessines. Oh là là, il est sublimissime, je l'avais jamais vu. Les deux, je les avais jamais vus. Oh, trop magnifique. Encore, oh là là. L'étoile. Oh là 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 là. Oh, franchement, cette marque Okaidi, ça devient vraiment ma marque préférée de fringues pour enfants. Oh, oh, merci Alexandra. C'est pas bon pour mes kilos, mais c'est bon pour mon estomac, pour moi, pour mon moral, pour tout. Parce que j'aime ça, tout simplement. Oh. Merci. Regarde, c'est joli. Oh, c'est le petit bracelet qui va avec les habits, mon nini. Ah, une petite carte. La carte. Ouh là là, c'est très lourd, c'est ça. C'est moi qui veux oui, ça. C'est très lourd. Oh bah, t'as déchiré la carte, Lana. Désolée, Alexandra. On va la recoffer. On va la rescotcher, bien sûr. Hop. C'est une carte de Rio. Oui, c'est une carte. T'as vu, on dirait les perroquets qu'on a vus hein, au Brésil. Tu te souviens? Est-ce que c'est mon chat? Ça a le goût des bonbons au coca, t'as vu? Oh, on l'a jamais eu celui-là. Chouette. Qu'est-ce que c'est encore? Il y a encore des trucs ou pas? Oui. Si, il y a encore des trucs. Mon Dieu. Mon Dieu. Que ce sont des livres. Oh là là. Alors j'espère que c'est pas ceux que j'ai. Je m'en suis commandé sur Amazon.fr. C'est des livres de première lecture, Lana. Cahier magique pour s'occuper dans le train. Qu'est-ce que c'est? Que c'est colorie ce cochon, prends-le en photo. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça peut faire animer avec une application les dessins. Oh, qu'elle est belle! Super jolie. Y a plus? Qu'est-ce qu'on dit, Alexandra? Merci, Alexandra. Tiens, ouvre celui-ci de Christelle. Tu fais attention de pas découper ce qu'il y a dedans, Lana. Mm-hmm. Tu veux peut-être que je le découpe moi? Parce que j'ai peur que. Ok, je sais pas ce qu'il y a dedans, donc fais attention, d'accord? Et en fait, apparemment, on colorie et on prend en photo avec une application qui s'appelle. Blink Book et ça anime les dessins. Voilà, c'est pour faire de la réalité augmentée en fait. Et donc des livres de Sam et Julie. Donc oh, celui-là on l'a pas, celui-là on l'a pas, celui-là on l'a pas, celui-là on l'a. Je ne sais plus qui nous l'a offert, mais merci parce que on le mettra ailleurs, genre dans la voiture. Oh, oh maman! Ouh là là! Oh, oh! Mais alors ça là? Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Christelle? Elle a pris la photo de toi et Buddy, elle l'a mis sur un sac. Regarde. Mais c'est énorme. Merci Alexandra, merci mille fois Alexandra, c'est génial. Merci, merci, merci du fond du cœur. Oh, mais c'est génial. Mais ce truc est absolument génial. C'est Lana et Buddy, t'as vu Nico? Non mais c'est énorme. Alors ça je les garde pour moi, je vais les lire, merci. C'est San Francisco. Ah, il y a Buddy à San Francisco. Mais non, mais en plus, tu l'as fait il y a pas longtemps, parce que c'était il y a pas longtemps, cette photo. Mais c'est génial. Regarde. Oh là là, mais c'est trop beau. Regarde, oh, je suis trop fan.
Et encore un truc. Oh, merci Christelle, merci mille fois. Là, il en a plus. Merci, merci. Et ça, c'est quoi? C'est une petite pochette? C'est trop chou, ça. Et la question, c'est est-ce que c'est elle qui l'est fait? Attends. Il n'y en a plus. Tu ouvres le gros? Merci énormément Christelle pour ta lettre qui est absolument adorable et ces deux sacs qui sont sublimissimes, je suis trop fan. Et en plus, enfin, t'as pris une photo sur Instagram et la qualité, elle est juste ouf quoi, c'est incroyable. On dit merci à Christelle, Lana. Merci Christelle. Ils sont beaux les sacs hein. Merci vraiment du fond du cœur parce que c'est sublimissime ce que tu nous as fait. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Et donc on va ouvrir le dernier qui est de Caroline. Et je vais le faire avant que Lana se fasse mal. Allez, vas-y. Oh. Oh, il a beaucoup de cadeaux là. Nico qui hallucine, il a pas l'habitude. Il a deux cadeaux. Ah, mais il est hyper lourd hein. Alors, swap pour Lana. Oui, alors attends, c'est un swap, on va lire les numéros. Ouvre le numéro 1, je pense en premier Lana. Mais où le... Ah ben faut le chercher. Alors voici le swap. Alors 1, c'est une princesse a besoin d'une... Ah bah d'une robe. Elle est belle hein. Oh ah, trop canon. Le 2 il est là, tu l'avais déjà sorti. Le 2 c'est pour s'hydrater les lèvres. Ah. Ne dis pas maman. Ah bah si, il faut que... Bah normalement je suis censée lire les indices. Mon dieu tout ce qu'il y a. Oh, merci Caroline, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Ah. Qu'est-ce que c'est? Des bougies. Non. Mais non, c'est pas des bougies, Lana. Pour s'hydrater les lèvres. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, hydrater les lèvres? Hydrater, ça veut dire que quand t'as les lèvres sèches, on les... C'est pour réparer tes lèvres quand elles sont abîmées. Donc ce sont des baumes à lèvres, chérie. Et il est où le 3, maman? Alors, le 3... J'ai trouvé. T'as trouvé 3? Yeah. Chouette. Ouais, vas-y. C'est ça. Pour faire comme les grandes. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Oh, c'est du vernis! Ça doit être du vernis qui s'enlève à l'eau. Alors ça, c'est quoi? Bah ça doit être pour dessiner sur tes ongles. Ouais, tu vois, après, tu peux rajouter des... En fait, tu mets le vernis, et après, tu peux rajouter des paillettes ou écrire avec ça, sur tes ongles. C'est chouette! Merci, c'est trop bien, je connaissais pas du tout. Le 4. Alors le 4 c'est être belle jusqu'au bout des ongles. Ah bah non, je pense que t'as ouvert le 4, chérie. Parce que ça, là donc du coup cherche le 3. Attends. 8. Attends, 5. Je pense que t'as vraiment ouvert le 7. 12. Donc ça c'est dans très longtemps. 9. Oh mon dieu. Tu vois? 3, oui, bah oui, c'était celui-là, chérie. Donc c'était pour faire comme les grandes. Bah pour le coup, les ongles, ça allait aussi pour celui-là. Mon dieu, tout ce qu'il y a. Oh. Mon dieu. Moi, j'étais en train de dire le mot, il est où? Qu'en est-ce? Oh, ça j'ai deux trucs. J'ai ça, mais j'ai pas ça. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Ah, c'est du rouge à lèvres, de l'ombre à paupières et du vernis à ongles. Et ben voilà. Non, ça c'est 6. Maintenant on en est au 5. Là, oui. Lana, tu peux pas tomber par terre, chérie. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Elena avec ça. C'est Elena, l'élévateur, là, je sais pas quoi. C'est des stylos figurines en fait. Ouais, c'est des stylos. Ce sont des stylos. Attends, on ouvre après Lana, on va pas ouvrir tout maintenant, d'accord? Super stylé. Le 6, alors le 6 on l'a vu tout à l'heure. Alors le 6 c'est au bal masqué. Masqué. Oui, c'est ça, au bal. Au bal masqué, ohé, ohé. C'est ma chérie. Ah, c'est des masques à dessiner. C'est des masques. Et regarde ce qu'il a. Ah oui, il y a des diamants. Mm-hmm. Wow. C'est chouette ça. Donc ça, c'est le 7 et c'est une petite soif. Ah. Et puis vu la forme, je pense savoir ce que c'est. C'est une gourde. Oui, je pense. Et c'est une gourde. C'est une gourde de qui? Elsa.
Ah. C'est la même. Oui. C'est la même que t'as? Oui, c'est la même. Tu crois? C'est exactement la même. Oui, mais c'est la même. Ah oui? Maintenant, j'ai les deux. Ah non, t'as les deux. C'est bon, ça. Alors, la 8. Un peu de coloriage. Non, c'est pas 8, ça, si? C'est 8? Ah oui, pardon. Ouais. D'accord. Un peu de coloriage. Si on se trompe. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Ah, c'est de la peinture? Oui, je pense. Il y a quoi dedans? Oh, ça c'est bien pour l'avion, ça. Pour quand on prendra l'avion. Hein? La prochaine fois. Laisse tout dedans, comme ça, si un jour on reprend l'avion, tu pourras t'en servir. Elle est trop magnifique. Lui, c'est 9. Alors, le 9, il était là. Ouh là là, oui. Ouh, c'est lourd, très lourd. Il y a écrit, une princesse a besoin d'apprendre. A besoin d'apprendre quoi? Oui, alors voilà l'état de mon sol. Hein. Oh, moi c'est ça qui m'intéresse. Oh, on l'a pas celui-là, merci. C'est Vaiana, mon amour. Qu'est-ce que c'est? Non, ouvre pas tout maintenant, Lana. Il y en a suffisamment partout, on va l'ouvrir tout à l'heure. Waouh. 10, bah cherche 10. Prêt pour le CP. Oh, merci, 10. Merci, merci. C'est ça, t'as vu, Nico? Regarde. C'est quoi, c'est 10? Nico. C'est 10. Plein d'exercices de maths 10. Et tout ça. C'est 10, non, c'est 13, ça. C'est un 1 et un 0, 10, Lana. Oh là là, c'est top, c'est top. Merci énormément, Caroline, c'est génial. T'as trouvé? Vas-y. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Ah! Oh là là, je vois Ravensburger. C'est un jeu? Qu'est-ce que c'est, mon amour? Tableau scintillant. Oh, fais voir. Papillon. Ah, c'est génial. J'adorais ça quand j'étais petite. C'est des dessins. Et en fait, tu enlèves l'autocollant et après ça colle. Et du coup, tu mets des paillettes dessus. C'est ça, hein? Ouais, après tu mets les paillettes. Oh, c'est génial. Tu vois, t'as les sacs de paillettes. Tu vois, t'enlèves l'autocollant. Et après ça colle. Et du coup, tu mets tes paillettes et après ça fait tout briller. Oh, ouais. Énorme. C'est énorme. Peut-être tu vas adorer. Elle va adorer ça. Elle adore ça, Lana. T'es contente? Allez, ouvre le 11. Plein de petites pierres. Non, ça c'est toujours 13. Je pense que c'est dans le colis, chérie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose après dans le colis? Non. Allez, c'est bon. Hop. 11, oui. Vas-y, mon amour. Plein de petites pierres. Hein? L'indice, c'est plein de petites pierres. Oh là là, mais ça va pas, mon Dieu. Mais vous avez trop gâté cet enfant. Trop gâté cet enfant. Oh, maman! Oh, ça c'est pour faire de la mosaïque. C'est pour faire des tableaux de mosaïque. Ça aussi, tu vas adorer. C'est trop beau, c'est un miroir. Oui. On dirait un puzzle. Ouais, c'est pas un puzzle. En fait, tu vas coller les petits trucs de mosaïque dessus pour faire des dessins. C'est chouette, hein? Ils disent à partir de 7 ans, mais Lana, elle est complètement capable de faire ça. Hein. Anna, ouvre pas maintenant, chérie, ouvre pas maintenant. Alors, encore 2, 12. 12, c'est celui-ci, chérie. Hmm? Vaiana. Ah, c'est Vaiana. Oh là là, c'est un livre pour apprendre à lire. Oh, chouette. Je connais pas du tout cette édition. Trois jolis livres. Oh, bah, tu as vu? C'est un peu tes histoires préférées quand même. La petite sirène, La Belle et la Bête et Vaiana. C'est un peu ce que tu préfères, hein. Elle est géniale, cette édition. Ils sont super chouettes. Oh, et la 13, c'est Bonne Nuit. C'est tout doux. Ah oui, il est tout doux. Oh, avec les princesses Disney, mon amour. Trop joli. Oh là là. Oh. Ouais. Écrit princesse Disney. Qu'est-ce que tu dis à Caroline? Merci. T'es contente?
Merci, merci du fond du cœur, Caroline. C'est génial ce que tu lui as envoyé. C'est absolument. Voilà, ça tombe. Un petit peu trop de cadeaux, non? Tu dis merci encore à tout le monde, Lana? Merci! Merci, les filles. Merci, merci, merci infiniment. Et forcément, Lana, qu'est-ce qu'elle a voulu faire tout de suite? Les petites fées, la paillette. Est-ce que les bras aussi, ils peuvent se décoller? Ils peuvent se décoller. Non, je sais. Bon, oui, on va avoir des paillettes partout. C'est pas grave. C'est sûr qu'on va avoir des paillettes de partout. Mais c'est super chouette. Je connaissais pas. Je connaissais avec le sel, mais pas avec les paillettes. C'est génial. Trop fort. Fais voir. Fais voir ce que ça donne. Waouh, c'est trop canon, hein. Les jeux, maintenant faut faire les jaunes. C'est doré, Sacha. Ouais. Papa, tu peux me donner, tu peux tenir le doré, le bleu. Papa, il a les mains pleines de paillettes. Il a plus de paillettes, et moi j'en ai plus que lui. Ouais, et toi tu vas aller au bain. Et ce soir au menu, on a des croque-monsieur, j'allais dire, des cordons bleus, on a réussi à en trouver ici. Oh, des croque-monsieur, c'est pas des croque-monsieur, coquine. Avec son manteau bigumi, là. Qu'est-ce qu'elle a, la petite licorne? Elle a quelque chose à dire? C'est pas un manteau, c'est un pyjama. Oui, c'est un, oui, pardon, tu as raison. C'est un pyjama. C'est un pyjama licorne. Et la question, c'est va-t-elle perdre sa dent ce soir ou pas? Dans le lit. Dans le lit? Tu crois? Bon, bonabona. Si je la perds dans le lit, je pense que je vais te dire. Ah oui, tu me dis, hein. Dès que tu la perds, tu me dis, hein, chérie. Donc voilà, c'est la fin de ce premier daily vlog de cette première journée de vacances qui était, ma foi, fort chargée. Mmh. On espère que le vlog, il vous a... plu. À deux. Ma. Et bi. Soux. Profite qui est chouchou parce que la semaine prochaine il sera pas là pour faire la conclusion. San Francisco.